Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Witcher 3, la chasse sauvage. Nous étions juste avant le rituel pour soigner Uma. Et le rituel consistait, en fait c'était la première phase de l'épreuve pour devenir The Witcher, un Witcher, un sorceleur. On prend des potions qui disposent le corps en gros à accepter un changement. Grâce au mutagène, le changement provoqué fait que la personne se transforme en sorceleur, mais peut-être avec Uma on va probablement faire autre chose pour essayer de le retransformer dans sa forme d'origine et lever la malédiction. Donc c'est parti, je dois préparer des potions. Alors les potions c'est où? Unissez les ingrédients requis et préparez-vous. D'accord, potion de l'épreuve des herbes. Donc a priori il y a tout ici. Ok. Vafael Hélène. Alors, non, alchimie. Non mais je sais, arrête de me le montrer à chaque fois ça. Alors, où est-ce que sont les potions? Donc ça c'est des huiles. Les potions. Elles doivent être en vert. Voilà. Potion de l'épreuve. Ok. Elles sont prêtes. Cadeau. Potion prête. Les outils aussi. Bien. Vézémir. Extrait de berce pour calmer la douleur. Je connais. J'ai déjà fait ça. Esquel. Incise ses veines et insère les tubes. Oh putain. Geralt dépose les fioles de potions dans les emplacements. Le pauvre. Barré. Je sens que ça va être dur, accrochez-vous. Hein. Ouvre les valves. L'ordre importe peu. Fallait peut-être l'attacher, non? La berce fonctionne. Sans elle, la douleur aurait provoqué un choc fatal. D'accord. Donc tout va pour le mieux? Non, mais on est en terrain inconnu. Administre la potion suivante. Oh putain. Le pauvre. J'espérais ne plus jamais assister à ce spectacle. Alors pourquoi garder la table? Geralt, potion suivante. Allez. C'est Kaifin. Et après? Après, on attend que les potions agissent, ce qui peut prendre un jour, voire Elle plus. Fait quoi là, Yennefer? Il suffit d'attendre, c'est vrai. D'accord. Mais je dois maintenir le sort stabilisateur. Le corps d'Uma est loin d'être aussi résistant que celui des apprentis sorceleurs. Sans cela, il... mourra. Oh mon dieu. Esquel, je suis désolée, pourrais-tu... aller chercher des chiffons? Je m'en charge. Ok. Et du coup... ouais. Je n'arrive pas à croire qu'on fasse ça. Éponger du vomi par terre? Non, l'épreuve, si c'est vraiment Ciri. Elle risque de ressortir handicapée, démente, privée d'émotion. Ah bon? Tu as pensé? J'ai confiance en Yen. J'ai confiance en Yen. Elle sait ce qu'elle fait. J'en doute pas, mais qu'est-ce qu'elle fait au juste? Elle t'a indiqué les chances de réussir. Ah, je sais, elles sont Messieurs, faibles. Le sol n'a jamais été aussi propre, mais moi aussi j'ai besoin d'être nettoyé. Bon, ça je veux bien m'en occuper.
Geralt, tu devrais peut-être... Allons, Eskel, je ne vais pas te mordre. Au travail. Ouais. Quelques heures plus tard. Le pauvre humain. J'espère qu'on n'est pas en train de torturer une créature pour rien, honnêtement. Le corps d'Uma se désintègre de l'intérieur. Quand ce sera fini, il lui faudra le reformer ou il mourra. Aux sorceleurs, on donne des mutagènes. Là, ce sera de la magie. On joue vraiment aux apprentis sorciers avec une créature, là. Yen, tu t'endors. Non. Je reposais mes yeux. Ouais, non, tu t'endors. Le terme exact, c'est dormir. Ouais. Alors fais en sorte de me tenir éveillé. Je ne sais pas. Raconte-moi une histoire. Je t'ai raconté la fois où j'ai fait du patin à glace avec Ciri. Non, pas que je me souvienne. C'était l'hiver de sa formation ici, les premiers mois. Elle se plaignait de ma trop grande sévérité. Au début, je n'ai pas réagi, puis elle me demanda d'aller patiner avec elle. Je n'étais pas chaud, je n'en avais jamais fait. Mais elle insistait. Aussitôt sur la glace, elle a décrit des cercles autour de moi en beuglant. Non, pas comme ça. Donjonjon. Un pied, puis l'autre. Change d'appui. Non, raté. Freine avec le talon, pas la pointe. Il va sans dire que par la suite... Il était un petit peu plus patient avec elle, quoi. C'est l'heure de lever la malédiction. Prépare le phylactère. Ok. Oh là là. Allez, j'espère que ça va marcher. Nebid, Sigir, Riva, Engel. Allez, Yen. Oh putain. Non. Non, tu ne dois pas mourir. Oh merde. Geralt, la flasque jaune dans ma sacoche. Silence. Écoutez. Koale. Koale. Kanyata. Qu'est-ce que c'est ? Nevit, Sivir. Koale, Koale, Kanyata. Nevit, Tarifa, Endir. Geralt, le phylactère, ouvre-le. Et ouais. Ah. C'est pas Ciri ça, si. C'est l'elfe. C'est l'elfe, c'est pas Ciri. Putain. Avalar. Tu le connais? Oui. C'est un elfe NL. Un sage. Où se trouve Ciri ? C'est... Ah oh, putain, d'accord. Caché. Sur l'île des brumes. Mais... elle est en danger. La chasse... La chasse... Pourquoi en a-t-elle après Ciri ? Son sang. Le sang ancien... pour ouvrir la porte. On ne peut pas les laisser faire. Cette île des brumes, où est-elle ? Partout et nulle part. Dites, l'elfe, on n'a pas levé cette malédiction pour jouer à devinette. Réveil, Harveil, Sirene. Qu'est-ce que c'est que ça ? Suivez-la. Dans les brumes. Vite. Vite.
J'ai tenté de la protéger. Mais la malédiction. La chasse n'a pas trouvé l'île. Pas encore. C'est une question de temps. Si elle la quitte, ils la détecteront. Aussitôt. Assez, Geralt. Il n'est pas encore tiré d'affaire. Il va s'en tirer. Je l'ignore. Tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai levé la malédiction, mais... L'épreuve a mis son corps à l'agonie. Ouais. Violente torsion des doigts, pupilles sans réaction à la lumière, j'ai souvent vu ces symptômes. Trop souvent. Les toxines ont causé des dommages irréversibles au système nerveux. Même s'il survit, tu comprends. Ouais. Je pars retrouver Ciri. Un instant. Tu ne crois pas qu'on a le droit de savoir? D'où connais-tu cette Avalar? Qu'est-ce que faisait Ciri avec lui? J'aimerais bien le savoir. Vous expliquera. Ouais. Gardez un œil sur lui. Ce n'est pas un ami. Ce n'est pas un ami. Peut-être pas, mais visiblement, Ciri lui a fait confiance. Prenons au moins ses propos au sérieux. Il a été très clair. Dès que Ciri quittera l'île des brumes, la chasse retrouvera sa trace. Et ensuite... Quelle est ta suggestion? Ciri ne peut pas fuir éternellement. Un jour, elle trébuchera, et n'aura pas de deuxième chance. Il est temps d'inverser les rôles entre proie et chasseur. Geralt va ramener Ciri jusqu'ici, puis la chasse arrivera. Mm-hmm. Ils compteront sur l'effet de surprise, et tomberont sur un os. Carrément, quoi. On envisage de les combattre. Nous cinq, dans un château décrépit. Avons-nous le choix? Hormis retarder l'inévitable. Jolicoeur pourrait rameuter quelques individus qui savent manier l'épée. Ou la magie. Ouais. Et toi, quels sont tes plans? Je dois m'occuper d'Avalar. Sans traitement magique, il court à une mort certaine. Avec mon aide, il reste un espoir. Ténu, mais c'est mieux que rien. Avec les garçons, on va planifier le comité d'accueil. On va trouver des alliés alors. Parfait. Je retrouve Ciri. Je recrute quelques alliés qui me sont redevables. Et je ramène tout le monde. Il y aura de belles femmes dans ce lot? Oh oui. Uniquement des belles femmes. Bon, il faut que j'y aille. Bonne chance, loup blanc. Transmets notre affection à Ciri là. Reviens au plus vite, Geralt. Ok. Bon bah... Ah bah on a pris un niveau en plus. Ok, donc parlez aux amis susceptibles de vous aider à vaincre la chasse et demandez-leur de se battre à vos côtés. Ou rendez-vous sur l'archipel de Skellige. Bon déjà on va pouvoir sortir. Voilà, donc entrée de personnage, Yennefer de Vandagerberg, ouais, Avalak. Donc, bah écoutez, les amis susceptibles de nous aider à vaincre la chasse, de qui je pense, je vois, bah peut-être Jaskier et le nain, je sais plus comment il s'appelle. Askelige aussi, oui, Yennefer, Triss pourrait nous aider, j'imagine. Ah voilà, d'accord, Framda, Zoltan, Roche, Jigstra, Triss, et des Triss, ça je l'ai fait, ok. Ok, donc du coup il faudra pour le moment faire toutes les quêtes secondaires. Super. Emrys van Remreis. Kerametz, ouais. Ok. Et après, on aura aussi toutes nos quêtes secondaires et quêtes de sorceleurs à terminer, quoi. Boudu. On a du boulot. On a pas mal de taf qui nous attendent. On pourrait faire aussi pas mal de quêtes par ici. On a pas mal de chasses. D'équipement à faire aussi. Équipement de l'école du Griffon, partie 3, à Skellige, niveau 26 conseiller, on est 24 seulement, mais bon, ça pourrait passer. Bouh, il va falloir qu'on se décide à ce qu'on fait maintenant, là. Extra, Roche, frère d'armes, en Ilfgarn. Ouais, déjà, on va aller là.
probablement aussi pas mal de choses à explorer dans les environs de Kaer Morhen, j'imagine, non? Cabane du lac, là on a un point d'interrogation. Là aussi. Bon, il nous reste quelques minutes. Donc déjà la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va descendre jusqu'au panneau d'affichage. Puis on va sûrement faire un break là, histoire que je réfléchisse un petit peu à ce qu'on va faire. Et que je regarde les quêtes disponibles, tout ça, tout ça. Je pense qu'on va retourner à Skellige parce qu'on a fait très peu de choses à Skellige au final. Avant de continuer la quête principale. Donc je pense que Skellige est le choix prioritaire. Beaucoup de contrats de sorceleurs, beaucoup de quêtes secondaires à débloquer même, qu'on n'a pas encore débloqué. Beaucoup de points d'intérêt à visiter et surtout aussi bien entendu d'équipements de sorceleurs à trouver. Donc voilà, pas mal de boulot à faire à Skellige, donc je pense qu'on va aller faire un saut à Skellige et puis on fera les bouts de quête principale à Skellige nécessaires. Et voilà, donc je vais vous laisser là pour cet épisode, ça va faire un épisode assez court au final, désolé pour ça, pas habituel, mais bon, je préfère couper ici, comme ça, ça me permettra de me donner le temps de réfléchir à ce qu'on va faire pour la suite. Donc voilà, merci à tous, je souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de The Witcher 3, où nous passons, j'imagine du coup on a changé d'acte là, quelque part un peu, hein, parce que si on regarde les quêtes, ouais. Niveau conseiller 22, on est niveau 24. Attendez, juste avant la fin, je vais quand même, je vais améliorer ça. Niveau suivant, ouais. Le nombre de points restaurés dépend du nombre de points analysés, plus 25% supplémentaires. Cool, je vais prendre ça. Donc voilà, je vous laisse là. Salut à tous et à bientôt.